Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec ma night routine en période de confinement. C'est trop drôle, j'ai l'impression de revenir il y a 2 ans chez mes parents. Enfin bref, c'est un peu spécial. Je voulais vraiment faire cette vidéo un peu plus posée, un peu plus chill que certaines routines que j'ai déjà faites. Vraiment le but là c'est de se détendre. J'adore ce type de vidéo, même si je déteste l'ASMR. Donc vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez que je devrais en refaire. Peut-être les points à améliorer si vous pensez qu'il y en a. N'hésitez pas vraiment à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo parce que c'est vraiment un gros soutien durant cette période. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Je vais commencer souvent ma routine vers genre 16-17h et je prends un café glacé pour le goûter. Donc je vais vous laisser avec la recette. Vous savez, je suis une grosse fan de café, donc café glacé, je viens de découvrir ça et j'aime trop. Et puis j'ai mangé ça avec une petite pomme. Bon, ensuite, je vais retoucher mes photos pour mon Insta. N'hésitez pas à aller le voir parce que je me casse la tête pour lui. Puis je vais taffer. Ensuite, je vais me mettre en tenue et puis je vais aller promener mon chien. Potter, je le fais pas tout le temps, mais voilà, de temps en temps. Donc là, le jour où je filmais la vidéo, je l'ai fait. Puis je vais manger. Ensuite, je vais me mettre en tenue de sport. J'étais en train de danser sur du Romeo Elvis et je vais faire mon sport. Je fais les vidéo de Sissi Mua, donc son programme actuel qui est totalement gratuit, je vous invite à aller voir et franchement j'aime beaucoup cette fille, j'aime beaucoup les cours de sport qu'elle fait, c'est super cool. L'œil écoute laboratoire. C'était mauvais quand je n'étais qu'un amateur Elvis. Bon, ensuite je vais me diriger, je vais prendre ma douche, formidable. Le soir, en ce moment, j'essaie de faire un peu moins de montage et de lire, mais franchement, j'y arrive pas énormément puisque j'ai laissé ma liseuse à Lille et que j'arrive pas à accrocher à certains livres en ce moment, donc je sais pas trop, genre j'essaie de lire. Et je dors dans un sac de couchage parce que, je sais pas, je suis une vraie scout, non, et puis je sais pas, j'ai eu la flemme de me prendre une couette quand je suis rentrée à Rouen. Puis ensuite, souvent, je vais pas vous mentir, je me couche vers minuit. C'est vrai que je suis beaucoup moins fatiguée qu'avant vu que je fais pas les allers-retours pour aller à mon école. Donc voilà, et puis après je vais dormir, formidable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller voir mon Instagram, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous fais de gros bisous et bye la mif.